le prince Carl Philippe de Suède et son épouse Sofia ont annoncé attendre leur quatrième enfant ce lundi 2 septembre. Une nouvelle aussi inattendue que joyeuse. Droit d'auteur Best Image Info, le prince Carl Philippe et la princesse Sofia attendent un quatrième enfant, la princesse Sofia. Le prince Carl Philippe de Suède, la famille royale de Suède assiste au concert d'ouverture de la session parlementaire à Stockholm le 12 septembre 2023. En bref, le 2 septembre, la famille royale suédoise a annoncé que la princesse Sofia attend son quatrième enfant, prévu pour février 2025. Les internautes ont félicité le couple, espérant que ce bébé soit une fille après trois garçons nés en 2016, 2017 et 2021. Le prince Carl Philippe et la princesse Sofia forment un couple épanoui et prêt à accueillir un nouveau membre dans leur famille. Jamais 203, puisque 4. Ce lundi 2 septembre, la famille royale de Suède a surpris les internautes en annonçant une heureuse nouvelle. Le clan du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Sylvia va s'agrandir puisque la princesse attend son quatrième enfant. Le prince Carl Philippe et la princesse Sofia ont le grand plaisir de vous annoncer que la princesse attend le quatrième enfant du couple, a-t-on d'abord pu lire. Il est précisé que le bébé est attendu pour février 2025. Concernant le programme officiel de la princesse Sofia, celui-ci ne devrait pas changer durant l'automne. Reste à savoir si ce bébé sera une petite fille ou un garçon. Dans les commentaires, les internautes ont immédiatement félicité le couple. Beaucoup d'entre eux ont affirmé être surpris par cette annonce tandis que d'autres ont évoqué leur envie que ce nouveau bébé soit une petite fille. En effet, le prince Carl Philippe et son épouse la princesse Sofia sont les parents de trois garçons. Le premier, Alexander, est né en 2016. Ses deux frères, Gabriel et Julian, ont pointé le bout de leur nez respectivement en 2017 et 2021. Vont-ils avoir le plaisir d'être les grands frères d'une petite fille? Ou un autre garçon va-t-il rejoindre la fratrie? La réponse d'ici quelques mois. Carl Philippe de Suède et Sofia de Suède, un couple très épanoui. Best Image. C'est en 2008 que le prince Carl Philippe a fait la rencontre de celle qui allait changer sa vie, lors d'un dîner entre amis. Un véritable coup de foudre pour tous les deux puisque, durant cette soirée, ils ont été inséparables. Le prince Carl Philippe et la princesse Sofia se sont fiancés en juin 2014 et c'est lors d'une cérémonie, célébrée le 13 juin 2015, qu'ils se sont dit oui. Aujourd'hui, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux et partagent leur quotidien, qui met en avant une famille très épanouie. Leurs trois garçons grandissent et ils semblent être prêts à accueillir leur quatrième bébé dans quelques mois. Ce quatrième enfant sera-t-il une fille? Il y a seulement quelques jours, Gabriel a fêté son 7e anniversaire. Pour cette occasion spéciale, ses parents ont partagé un joli portrait sur lequel on peut voir un garçon aux yeux bleus, les bras croisés et fixant l'objectif. Aujourd'hui, notre bien-aimé Gabriel fête ses 7 ans, ont simplement écrit le prince Carl Philippe et son épouse la princesse Sofia en légende de la publication. Leur émotion était visible puisque ce sont deux émojis, un cœur et un avec les larmes aux yeux qui ont été ajoutés en légende. De quoi mettre en avant le fait que le temps passe très vite. Sofia de Suède, une femme connue bien avant de devenir princesse. La princesse Sofia a trouvé l'amour dans les bras du prince Carl Philippe mais elle avait déjà un visage très connu. D'abord mannequin, la jeune femme a été repérée par Victoria's Secret et a pris la pose vêtue d'une culotte lors d'un shooting photo. Par la suite, c'est dans une émission de télé-réalité que les téléspectateurs ont pu la retrouver. En 2005, Sofia Elqvist est au casting de Paradise Hotel, la version nordique de l'île de la Tentation.
Des images d'elle ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont refait surface lorsqu'elle a officialisé sa relation. Lorsque cette relation a éclaté au grand jour, la princesse Sofia se souvient avoir été victime d'une tempête de haine sur les réseaux sociaux. Elle en avait notamment parlé dans une interview accordée à TV4. L'épouse du prince Carl Philippe avait affirmé, c'était très dur. Les gens avaient des commentaires sur tout ce qui était possible, sur ce que je faisais et sur mon apparence. Une période qui était très compliquée pour elle, mais la princesse Sofia est parvenue à aller de l'avant grâce au soutien de son époux et de la famille royale. Aujourd'hui, la maman de Gabriel, Alexander et Julian est une femme épanouie, qui s'apprête à accueillir son quatrième enfant.